Voilà, nous sommes de retour, mais cette fois-ci à l'extérieur, ici à Hôtel de Ville Louis de Pradel. Et là, regardez, c'est dans Lyon. Et regardez derrière. Attendez, je vais reculer un petit peu. Vous voyez là ce truc symbole de la sculpture, évidemment. Regardez avec une petite cascade. Et bien, c'est là qu'on va faire un petit peu les activités dans Lyon. Alors, j'espère que vous avez aimé justement Aquaman, justement, parce qu'Aquaman il sortira en 2018. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, on peut dire carrément que le bon annonce est génial. En plus, ça suit dans l'origine, dans les comics, et évidemment de l'Atlantique, évidemment sous l'Atlantique. C'est pas nordique, excusez-moi pour tout à l'heure. C'est sous l'Atlantique. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a Shazam qui sortira en 2019. Et donc, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu, bon annonce, que c'est à peu près de ça. Mais attention, il y aura peut-être une surprise tout à l'heure. Vous avez vu côté, vous allez voir, et je pense que vous allez peut-être reconnaître, et c'est pour ça que je vais dire une surprise tout à l'heure, évidemment, dans Man of Steel 2. Soi-disant, il y aura peut-être une surprise que vous allez découvrir, mais je ne vous dirai pas plus. Et je pense que c'est plutôt plus côté les super-hogers qui va être vraiment très content à propos de ça. Alors voilà, donc on va dire que c'est la deuxième journée et là nous sommes à Lyon. Regardez, nous sommes à Hôtel de Ville, Louis de Pradel. Là, à derrière, côté moi, derrière, là c'est côté vers la place Opéra. Donc la place Opéra, ça se trouve juste là, que vous voyez, il y a mes doigts là, juste là. Là, il y a la place de l'Opéra et l'autre côté, c'est là qu'on va côté de visite où il y a bien sûr le festival de la BD, de la bande dessinée lyonnaise et le festival évidemment de polar. Donc, ça fait un grand plaisir que j'irai là-bas, pourquoi pas faire les romans, faire les activités du roman de polar. Alors maintenant qu'on va vous dire, c'est que on fera beaucoup de choses. Qu'il y aura cet après-midi, il y aura des exclusifs, évidemment les conférences de presse de côté des nouveautés. On risque de voir la 8e saison de The Walking Dead. Vous avez vu, vous avez dû rappeler en tout cas que soi-disant la 7e saison de The Walking Dead évidemment a été finie. Eh ben non, ça aura bien lieu et c'est bien confirmé qu'il y aura bien sûr la 8e saison qui va être en cours justement. Et il sera présent en direct évidemment à Comic Gun à San Diego et c'est pour ça qu'évidemment qu'on fera les activités. Ensuite, il y aura évidemment beaucoup de clips évidemment. Vous avez vu évidemment Nickel Black, donc là, que vous avez reconnu. Mais il y aura tas d'autres justement à propos qu'est-ce qui va se passer justement à côté là-dessus. Alors, j'espère que vous avez aimé la bonne annonce de Batman qui sortira en 2018 avec Ben Affleck. Et c'est vrai que Ben Affleck, évidemment, est enfin de grand retour. Il sera aussi peut-être en conférence de presse dans l'après-midi. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est au tour de DC Comics qui fera en conférence de presse, que hier, c'était plutôt Marvel. Il y aura aussi, évidemment, Miss Marvel qui va arriver en cinéma cette fois-ci. Qui va sortir couramment à peu près entre 2018 et 2019. Mais le projet qui risque d'arriver, c'est bien sûr Shazam qui risque d'arriver en 2019. Voilà, c'était Filet Tongo, évidemment, dans les Actu Comics spéciales Comic Zone, Comics Gun à San Diego, mais à la française, chez ici à Lyon en tout cas. Il y a beaucoup d'actualités. On se retrouve juste après, évidemment, avec un peu plus tard, qu'on va vous annoncer. Mais c'est pas tout de suite, hein, donc on va vous annoncer des extraits, évidemment. Laissez-moi balader un petit peu. Et puis, il y aura d'autres vidéos à vous faire. Et après, quand on fera la pause, c'est là qu'il y aura les actualités. Mais pour l'instant, laissez-moi vous découvrir de visiter la carte postale de Comics Gun à la française, mais à Lyon cette fois-ci. À tout à l'heure, mes amis. Et envoyez plein de commentaires si vous aimez la vidéo. Vous cliquez juste filet de mots et vous mettez justement Actu Comics spécial Comics Gun à la française. Et je vous dis à tout à l'heure avec les autres actualités de Comics Gun, de conférence de presse cette fois-ci. À tout à l'heure et à bien plus tard. Je vous aime très fort. Ne disais rien parce que c'est une surprise. Alors je vous aime. Et ma petite Nanou, tu me manques énormément. Et on se voit mercredi. Je t'aime la puce. Ouais, on sait, oui, calme-toi.